Alors maintenant, à Québec, où des mères africaines dénoncent le racisme dans certaines écoles, elles seront plusieurs devant les bureaux du protecteur de l'élève cet après-midi. Dani, vous avez rencontré l'instigatrice de cette mobilisation. Son fils est lui-même victime d'intimidation. Oui, une mère, une militante engagée dans le milieu de l'immigration à Québec. Et oui, effectivement, elle a un petit garçon de 9 ans qui vit du racisme, de l'intimidation à l'école depuis plusieurs années. Elle va même encore une fois le changer d'établissement scolaire à l'automne. Elle a trouvé un milieu plus multiculturel, alors peut-être que ça pourra aider. Mais elle en a gros sur le cœur. Elle veut des milieux sécuritaires pour les enfants. Parce qu'il faut dire que la discrimination, souvent, ça a un impact direct sur la réussite scolaire. Donc, on écoute un peu ce qu'elle nous raconte à propos de son fils. Comme ça, qu'à 4 ans, il m'a dit « Maman, j'ai la couleur du caca ». Donc, ça a commencé à 4 ans. Et là, je me suis dit « OK ». C'était un peu le réveil. Puis, bien évidemment, ça nous a habités après, à l'entrée à l'école. Et puis, bien, la dernière année qui a été extrêmement difficile. Pour lui, mais on espère que ça va faire une différence pour les autres, parce que pour mon fils, c'est déjà trop tard. Hein. Il a déjà ce trauma avec lui. Alors, cet après-midi, on y sera à 14 h sur le chemin Sainte-Foy devant les bureaux du protecteur national de l'élève. Elle réclame un plan d'urgence contre le racisme, contre la discrimination dans les écoles. Donc, on aura d'autres témoignages à vous faire entendre tout au long de la journée. Merci, voilà. Dani. Au revoir.